tempête j'ai lutté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. Yeah. Voilà, c'est quoi? Merci. Quand tout fait naufrage, quand tout tourne, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, reconduis-moi sur la terre. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Kenzo lui sera soumis. Et quand ça va mal dans les grands fonds, Flipper et ses amis des profondeurs. Et Oti Bouffi aussi nous défend toujours avec ardeur. Quand tout fait naufrage, quand tout roule, quand ton univers. Oti, où est passée cette loutre? Oh, il ne va pas tarder. Je viens de l'entendre respirer. Je l'ai, Flipper. Tu es sûr que ça va? Je crois que oui. Oh là là, qui rêve d'être un animal terrestre? Tout est beaucoup plus lourd ici. C'est parfait. Tiens le fermement, je reviens tout de suite. Ça y est, l'école de saut aquatique et acrobatique de Flipper ouvre ses portes. Vous êtes prêts? Je te suis. Et vous? On est le coq argenté du Lino. On est prêts, on veut voir le score. N'oubliez pas de prendre beaucoup d'élan pour augmenter votre vitesse et de donner un bon petit coup de queue quand vous quittez l'eau. Comme ceci. Alors, vous prenez un très grand élan et... Hop! Fantastique! Extraordinaire! Incroyable! Alors, c'est pas si dur que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous pouvoir le faire? Oui, facile! Je crois que oui. Le gang argenté? On est le gang argenté de ces flots. On est prêt pour sauter. Ho, ho, ho! Et toi, petit, qu'en penses-tu? Ne t'inquiète pas pour le freluquet. C'est encore un marmot. Il ne peut rien faire. Je peux sauter, moi aussi. Je me sens prêt, monsieur Flipper. Allons-y. Le paca, ré... Bouffi, c'est à vous! Dépêche-toi, Bouffi! Youpi! Fantastique! Le gang argenté, c'est à vous! C'est parti! Allez hop! Le gang argenté est au top! Perfecto! Fantastique! Jojo? Jojo, où es-tu? Il est là, il se cache! Dépêche-toi, Jojo! Dépêche-toi, tu aurais les grands torts. Bébé frère est grand et fort. Je veux pas participer. Je ne suis pas en forme. Allons essayer. C'est que... D'accord. Je voudrais qu'ils arrêtent d'être moqueurs. Mes frères sont trop méchants avec moi. Mes frères sont trop méchants avec moi. Courage, Jojo, essaie encore. Non, je veux pas sauter. Et si je sautais avec toi, tu serais rassuré? Ah, ouais. Oti, tu es prêt? On arrive. Vas-y, Flipper. À trois, on saute. Un, deux, trois. Sautez. Attendez, mais attendez-moi! J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose pour ce petit.
Qu'as-tu trouvé, l'opaca? Oh, c'est magnifique! Ce n'est qu'un coquillage. Je te l'offre, tu le veux? Oh, merci! Oh, pourquoi veux-tu avoir cet affreux coquillage? Je vais t'offrir un spécimen de collection de papa. Ils sont beaucoup plus beaux! Non, je te remercie, Bolo. Je préfère avoir celui-là. Chef Capuna? Quoi? Non, je ne dormais pas. J'ai trouvé ceci dans mon filet ce matin. J'ai pensé que tu pourrais le vouloir pour ta collection. Oh, oui. Bonne idée. Et t'as vu, Bamana, une nouvelle merveille pour ma collection. En tout cas, moi, je me débrouille tout seul pour ma collection. Oh, ces deux Ostrogoths, ils passent leur temps à se narguer avec leur stupide collection depuis qu'ils sont petits. Pourquoi ne trouves-tu pas tes propres trésors, mon cher? Je suis bien trop occupé à être chef. Je n'ai pas suffisamment d'heures. Pour me constituer ma collection. Tout va bien, papa? Oui. Le chef Capuna a le don parfois de me mettre en colère. Mais quand nous étions enfants, j'ai commencé à faire une collection de choses insolites que je trouvais dans l'océan. Alors évidemment, il a fallu qu'il fasse comme moi. Oh, Bomana! Sais-tu où est l'opaca? Il était là il y a une minute. Alors maintenant que tu sais nager comme un poisson, comment as-tu l'intention d'utiliser cette nouvelle compétence? Oh, en explorant les fonds marins pour trouver des endroits insolites. Je connais un endroit qui te plairait. Où est-ce? La caverne aux 1000 reflets dans le cimetière des navires. Oh, ça a l'air génial! Mais c'est génial! C'est là que j'ai trouvé ce drôle d'objet, il y a des années. Mon père adorerait en avoir un comme ça. Je peux en avoir un? Désolé, nous ne pouvons pas aller à l'intérieur. C'est trop dangereux. En effet, tu peux seulement jeter un coup d'œil à l'entrée. Bon, d'accord. Regardez cette partie, messieurs. Je vais vous donner une petite leçon sur l'art de jouer au billard. Admirez le maître. À présent, Sornette, observe attentivement toutes ces poules. Je suis un champion grâce à ma boule de billard, porte-bonheur. Excusez-moi le temps que je... Je la conditionne pour qu'elle me porte chance. Tu es sûr que c'est une boule de billard réglementaire? Oh, arrête tes jérémiades. Tu apprendras peut-être quelque chose. Regarde comment un professionnel joue. Quoi? Sensationnel! Oh! Peut-il me battre? Sornette, à toi de jouer. Parce que tu as dit que tu pourrais me faire beaucoup de mal si je refusais. Regarde ça. Sale gamin.
Laissez-moi bien ! Vous me le faites ! Les gosses. Tu vois ça ? Il n'y en a qu'une seule à Kensu. Elle appartenait à mon arrière-arrière-grand-père. Oh, voyez-vous ça ? Oui, et vois-tu, cette ancienne boule n'a pas de prix. Comme c'est fascinant. Te voilà de nouveau belle et bien astiquée. C'était drôle. Nous l'avons bien eu. Que fait-on ? Que pensez-vous d'un jeu ou un truc comme ça ? Ouais. Génial. Nous pourrions jouer à 1, 2, 3 soleil. Jouer à 1, 2, 3 soleil. Oh, s'il vous plaît, dites-oui. Non, c'est un truc de gosse. Que pensez-vous du cache-cache? Je peux jouer à ce jeu? Non, tu es encore trop petit. Et trop chétif. Et trop bleu. Trop bleu? Je vois pas quel est le rapport avec ça. Ça m'empêche pas d'être un très bon joueur. S'il vous plaît. Pourquoi on ne se paierait pas une petite partie de rigolade avec notre frère? Ah, oui, c'est une bonne idée. Ah, soyez chic. On accepte que tu joues. Compte jusqu'à 150. Je sais compter seulement jusqu'à 10. D'accord, alors compte jusqu'à 10. Ah, chouette. Et après, commence à nous chercher. Quand dois-je retirer le bandeau de mes yeux? Oh, tu le gardes. En fait, c'est une nouvelle règle de cache-cache. Beaucoup plus drôle. Tourne sur toi-même. Tourne sur toi. Où on va, tu ne le sais pas. Ah, hey, tu as vu? Oui. Maintenant, tu peux commencer à compter. Un, deux, trois. On dirait qu'il s'amuse bien. Suis-moi. La caverne doit être quelque part par ici. Et c'est... Me voilà. Restez tranquille. Si quelqu'un me bousille mon coup de jeu... Joli coup, patron. Et maintenant, je peux retirer mon bandeau? Non. Garde-le. Messieurs, donnez-lui une bonne leçon. Surprise! Ne rêvez pas. Apportez-moi cette boule. Mes frères m'ont joué un vilain tour. Oui, les frères sont parfois comme ça. Mes frères adorent me faire ça. Je crois qu'ils ne m'aiment pas. Laisse-leur un peu de temps. Tu es encore petit et nouveau dans la famille. Mais je ne suis pas courageux comme toi. Je suis tout petit et je suis bleu. Et en plus, je ne suis qu'un bon à rien. Tout le monde est bon dans un domaine, mais pas forcément dans les autres. Ah, je crois que je suis bon dans un domaine. Ah oui, lequel? Je suis vraiment douée pour la réflexion. Oh, raconte-nous ça. Suivez cette boule. Oh non, pas dans la caverne aux mille reflets. La caverne aux mille reflets? Aidez-moi, bande de fainéants! Non, arrête! C'est dangereux, tous les rochers pourraient s'écrouler. Je t'interdis de me donner des ordres. Sornette? Oui. Tu vas le faire. Tu es beaucoup trop gros, mets-toi à la diète. Oh, ma boule! Que dirait mon arrière-arrière-grand-père? Je pourrais aller vous la récupérer. Ah, mon bonhomme, quel gentil petit gars. Comment tu t'appelles?
Moi, c'est Jojo, monsieur. Pourquoi vous m'avez appelé Trouble-Fête? Je dois reconnaître que ce petit gars n'a pas froid aux yeux. Oui, Dexter est dans le pétrin, vraiment? Qui est le Trouble-Fête maintenant? Le Trouble-Fête? Est-ce que je dis ça? Une blague à prendre au second degré. Dépêche-toi, tu veux? Faufile-toi là-dessous! Vite, file dans ce trou! Mais qu'est-ce que tu manigances? Ne te mêle pas de mes affaires, dauphin! Vas-y doucement, Jojo. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Tu l'as? Dépêche-toi, apporte-la ici. Oh, trop lourde. Réfléchis. Ma boule bien-aimée. J'ai eu la boule. C'est ça. Est-ce que votre boule est intacte? Oh, oublie cette abominable vieillerie. Dis-moi, y a-t-il beaucoup d'autres choses comme ça là-dessous, Jojo? Des millions! Vous avez entendu ça? Des millions? L'histoire de la caverne aux mille reflets est donc vraie? Creusez, sombre idiot! Creusez! Non, stop! Non, non, allez! Ils vont se faire écraser! Creusez! Creusez! Et si ça s'écroule? C'est exactement la vie qu'il me faut! Je ne resterais pas là-dedans si j'étais vous! Mais tu n'as rien à voir avec moi! Hé, hey, t'as entendu quelque chose, patron? Faites-nous sortir de là! Je n'ai pas entendu la formule magique! Faites-nous sortir de là, s'il vous plaît! Qu'à s'en prendre à eux-mêmes. C'est complètement bouché. Je n'arriverai jamais à me faufiler là-dedans. C'est pire que tout à l'heure. J'ai pu descendre une fois. Je peux y retourner une seconde fois. À quoi ça servira? Ça ne débloquera pas le tunnel. Mais ce n'est pas bien de les laisser bloquer là-dessous. Voilà ce que j'en pense. Peut-être qu'il a raison. Oh, pourquoi devrait-il se préoccuper de Dexter? Je ne comprends pas. Est-ce que ces trucs fonctionnent? Je crois que oui. J'ai compris! Jojo, c'est une excellente idée. Le paquin, suis-moi! D'accord. Allons, les amis! Pourquoi ne pas donner un coup de main au petit frère? Et donc, Jojo, voilà pourquoi il arrivera à faire le poids! Ne vous inquiétez pas! Bonjour, maître Dexter! C'est toi? Je suis là pour vous sauver! Dans ce cas, nous allons tous mourir! Attachez cette corde au milieu de cette pièce de bois, s'il vous plaît! Oui, mais faites-le délicatement. D'accord, d'accord. Flipper, on est prêt. Et maintenant? Parfait, on tourne maintenant. Regarde. Continue à tourner. On y est presque. Jojo, ça a fonctionné. Oh non. Les pièces! Oh. Pourquoi me barres-tu la route? Ça ne risque plus rien maintenant! En es-tu sûr? Oh. Rassure-toi, nous t'avons sauvé un petit quelque chose! Où c'est?
dommage. Je ne pourrais même pas offrir une pièce à papa pour sa collection. Regarde ce que j'ai pour toi, l'opaca. Oh, génial! Merci beaucoup, Jojo. Petit frère, tu viens jouer? Oh, qui? Moi? Oui, petit frère, viens jouer avec nous, car pour nous, t'es un vrai petit chou. C'est génial! Merci, mes frères, merci! Bomana! Bomana! Ah, Bomana! Viens nous rejoindre, je vais montrer à tout le monde mon nouveau coquillage. Voyons ça. Quoi? Oh, bonté divine! Regardez ce que j'ai trouvé! Regardez ce que j'ai trouvé dans mon filet! Regardez, tout le monde, regardez! Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas la moindre idée. Ça a tout l'air d'être une vieille pièce. Oh, c'est magnifique! Oh, ce sera la plus belle pièce de toute ta collection! Oh! Non, attends, Bomana. Écoute, je te l'échange contre le coquillage. Je suis désolé, chef. Le truc rond, je te l'échange contre... Je l'ai trouvé moi-même. C'est ce qui m'intéresse le plus dans une collection. Oh, c'est pas juste. Oh. Merci, Jojo. Grâce à toi, mon papa est comblé de bonheur. Alors, Jojo, les sauts, ça progresse? Ils sont super, Flipper. Oh, regarde celui-là. Oh, fantastique! Quel acrobate! Aïe alors!